La Commission européenne qualifie trois sites pornographiques de très grandes plateformes. Elle leur demande, à travers cette désignation, de redoubler d'efforts pour supprimer les contenus illégaux et faire respecter les droits fondamentaux. L'institution européenne estime que Pornhub, Stripchat et Xvideo comptent chacun plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels et doivent donc appliquer les mesures de l'Union les plus strictes. Well, the consequences are that we look even more carefully and more closely, and that they have specific obligations that not all other platforms have. And the very important one is they have to analyze and mitigate their systemic risks. And here we speak about protection of minors, but also illegal materials like child sexual abuse material or other content as revenge porn or deepfake porn that need to be mitigated or taken down from the platform. Cette annonce intervient après l'adoption de la loi européenne sur les services numériques, ou DSA en anglais, dont l'objectif est de réguler les contenus en ligne. Le règlement entrera en vigueur le 17 février. Les trois sites pornographiques auront jusqu'en avril pour appliquer les mesures réclamées. Contacté par Euronews, Pornhub s'interroge sur la méthodologie employée par la Commission. L'entreprise assure compter en moyenne 33 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union. Elle estime donc être loin du seuil fixé par les 27. La Commission avait déjà désigné 19 sociétés comme des très grandes plateformes, dont Facebook, Google, YouTube ou X, anciennement Twitter. Toutes doivent renforcer leurs mesures pour protéger les utilisateurs sur le net.